Bill. Bonsoir. Alors, Goguette, non pas refroidi, mais carrément surgelé dès qu'on s'est rencontré, qui date d'une discussion sur un fil Facebook à laquelle je voulais rendre hommage. Où notamment Fred et Michael ont pourri mon fil Facebook pendant plusieurs semaines entre fin septembre et début octobre, au sujet d'un débat sur la noix de muscade. Donc, je tenais à en faire profiter les autres goguetiers qui n'ont pas la chance de les avoir sur Facebook. Tout est parti d'un commentaire qui, sur mon fil d'actualité, a lancé pour des semaines entières un débat des plus passionnés. J'ai donc lu tout ce qu'ils ont dit et vais ce soir vous résumer les longues heures sur mon ordi qu'ils ont passé à se demander si oui ou non ça rend malade de manger de la noix de muscade. Si oui ou non ça rend malade de manger de la noix de muscade. En premier lieu, c'est Michael qui a parlé de cette noix, qu'il veut bannir des béchamels, car c'est un poison pour le foie. Mais c'est naturel, répond Fred, certes, dit Mika, mais le cyanure, que si t'en respires, t'en tomberais, ça pousse aussi dans la nature. Cessons-là cette mascarade. Il faut bannir la noix de muscade. Ça rend bien trop de gens malades pour une tradition rétrograde. Mais à ces mots, notre ami Fred, qui ne digère pas l'injustice, répondit aux appels à l'aide de cette malheureuse épice. Tu ferais mieux de fermer ta gueule, parce que c'est vachement bon cette noix, et c'est elle qui, de nos aïeuls, parfumait le gratin dauphinois. Et faut bien aider les peuplades qui en ramassent sur l'île de Grenade. Et ça rend les blanquettes moins fades. Et c'est même bon dans les grillades. Mais Michael nous dit, prudence, c'est une drogue hallucinogène. Tu es victime d'accoutumance à chaque bouchée de quiche Lorraine. De violents effets secondaires qui tuent à partir de 20 grammes. Donne la nausée ou le cancer, c'est même interdit par l'islam. Ça mérite de faire le djihad. C'est ça notre Satan, la muscade. De carbonade en canonade, rejoignez nos rangs, camarades. Les défenseurs du tégument, heureusement, n'en reste pas là. La muscade, c'est un médicament. Il y en a même dans le Coca-Cola. Puis, si ça faisait tant planer, Maïté serait un junkie. Et John Lennon l'aurait planté. Ça aurait fait baisser les prix. Et l'huile essentielle de muscade. Y a rien de tel si t'es maussade. Trois gouttes sur un pot de cassonade, t'es remis sur pied et tu gambades.
Et Mika, révolutionnaire, crie à bas l'épice létale. Faisons-en table rase sur terre, plus de muscade dans nos étals. Exécutons tous les cuistots qui vendent cette épice dégueulasse et cette ordure de père du croc. J'en rapperai sur sa carcasse. Ils vont finir en marinade. Ces sales marchands de muscade, fini le temps des engueulades, c'est la potence ou l'estrapade. Pour clore à présent ce débat, si la muscade est un poison, je répondrai que je ne sais pas, mais si Michael a raison, j'aimerais bien devenir cuisinier. Servir de la blanquette de veau, juste un petit peu trop épicé, à Poutine ou Bolsonaro. J'en offrirai à l'ambassade, pour le couscous du prince de Riyad, un petit pudding à la muscade, pour Trump et Bachar al-Assad.